Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bébois. Cette semaine, on continue l'aménagement dans l'atelier. Je vais me faire un meuble avec des étagères. Mais avec quoi? Avec la lameelleuse. Je vous la présente et on exécute le projet juste après. Allez, c'est parti! Bien. Bon, alors, pour ce projet, je vais utiliser la lameelleuse. J'ai eu pas mal de commentaires dans tous mes projets en me disant, ben, explique-nous deux, trois mots là-dessus. Moi, je vais vous donner ma technique que j'utilise pour me repérer dans les surfaces d'usinage. Je vous présente le projet juste ici qu'on va réaliser. Alors, pour cette machine, il existe différents lamellos, 0, 10, 20 et S6. Ils sont de plus en plus grands suivant le bois. On va utiliser ce type de lamellos pour du 8 à 12 mm d'épaisseur, celui-ci 12 à 16 environ, et celui-ci bah, au-dessus de 16. Je n'ai pas les S6, les S6 c'est vraiment pour de la grosse pièce. Alors, présentation rapide de la machine. Vous avez une machine ici où une fraise va venir créer des entailles dans le bois où on va faire l'assemblage au lamello. Alors, sur toutes les machines, hein, on a différents repères, l'inclinaison du plateau et la hauteur de réglage de celui-ci. Et enfin, bien sûr, avec la petite molette, on va régler ici suivant l'épaisseur du lamello à choisir. Alors, c'est pas mal ces types de machines, parce que ça permet de coller pas mal de surface, de s'aligner et d'avoir de très bons assemblages. Allez, maintenant, je vais réaliser moi tous mes débits et ensuite on se retrouve pour les explications comment faire ce type d'assemblage. Bien, ça y est, tous les débits sont maintenant exécutés. Donc j'ai bien les côtés, le haut, le bas, le milieu. Donc vous avez vu le plan, c'est cette petite armoire que je vais réaliser. Je vais vous faire voir ma technique de repérage. C'est par moment, avec la lamelleuse, comme je n'utilise pas cette partie ici pour mes assemblages, je vais vraiment utiliser celle-ci comme surface de référence. C'est là qu'il ne faut pas se tromper dans quel sens. Quel côté du trait on se trouve? Je vais vous faire voir ça de plus près. J'ai un exemple là, sous la main, parce qu'on est décalé, on n'est pas vraiment au milieu de la planche. Allez, on se rapproche. Alors, pour ma part, la technique que j'utilise, c'est que je vais repérer chaque planche, à chaque fois ici. Donc, par exemple, la planche 1, la planche 2, la planche 3, 4, 5 et 6. Chaque fois que j'ai créé ces repères, moi, je viens numéroter avec un bout de scotch, papier, ma planche. Là, par exemple, j'ai la 6. J'ai la planche ici, qui est la planche numéro 5. Donc ici, la planche numéro 5. Donc, pour ne pas se tromper sur ce décalage, on va garder toujours les mêmes surfaces de référence. Donc moi, je souhaite qu'il soit ici. Je viens noter 6, 5, 6, 5. Je rabats ma planche comme ceci. Donc, une fois qu'elle est rabattue, je suis ici. Je vais me rapprocher pour vous faire voir. Voilà. Et donc, ici, je vais pouvoir faire mon usinage comme ceci. Et ensuite, comme ceci. Pourquoi? Essayez d'avoir à l'esprit toujours l'endroit scotch contre scotch quand j'ai pris ma mesure. Sinon, ici, une fois que je mets mon insert, j'ai gardé les mêmes références. Je viens mettre mes lamellos, pardon. Ici, et voilà, ça tombe parfaitement au milieu avec ce petit réglage. Le problème, c'est que par moment, on se trompe
entre les phases de référence. C'est pas toujours évident, ça m'est déjà arrivé de me tromper. Et là, on se retrouve avec une planche d'un côté où, ici, on se décale. Et là, comme vous voyez ici, j'ai mon décalage de quelques millimètres, 3-4 millimètres. Donc là, moi, j'utilise toujours la même technique. Je mets des scotch de chaque côté. Je sais qu'à chaque fois que j'ai un bout de scotch ici, je viens me rabattre sur le scotch et j'ai montré intérieur de ma cotation. Allez, après cette explication, on va passer à l'ensemble des usinages. Bien, bon, ça y est, montage à blanc terminé. Vous avez vu, dès que je reprends les bonnes références, après l'orientation des usinages, pas de problème, hein, vous avez vu, je mets ma planche, je me replie dessus, je me décale, je mets à l'arrière, dans un sens, dans l'autre, je suis sûr d'être bon. Regardez, si vous regardez bien, tout est vraiment à fleur. Bon, bah maintenant, c'est plus délicat, c'est le collage, c'est toujours stressant. Moi, je colle. Et je vous dis à tout à l'heure.
Bien, bon, voilà, ça y est, c'est installé. Donc encore du rangement, comme j'ai l'habitude de faire pour l'atelier. Voilà, quelques astuces que je vous ai données pour utiliser l'assemblage au lamello. Très simple, hein. C'est déjà les premiers pas, on va dire. Mais vous voyez, on peut réaliser de très belles choses. Ça peut être là des rangements pour un atelier, ou alors on peut créer une bibliothèque, etc., etc. Vous voyez, pas mal cette machine. J'en suis super content. Voilà, j'ai quelques petits messages. Déjà, je remercie ma petite femme pour l'achat de ce polo. Vous avez vu, c'est la classe. Je vous remercie aussi vous. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui jouent le jeu pour aller sur Amazon en cliquant dans la description sur les petits liens, ce qui permet d'avoir un petit peu d'argent. Et vous voyez, je me suis fait l'achat, mon premier achat Amazon pour le casque. Merci à vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important en ce moment, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!